Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre totalement différent de d'habitude puisque nous sommes dans ma chambre et non pas dans mon salon, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit room tour. Vous êtes nombreux sur Instagram à me demander d'où viennent telle et telle chose dans ma chambre et vous m'avez aussi demandé de faire un room tour. J'avais pas forcément envie de vous en faire un tout de suite parce que ma chambre n'est pas encore là où j'aimerais qu'elle soit, décorativement parlant, mais comme vous l'entendez sûrement à ma voix et comme vous l'avez sûrement déduit de l'absence des vidéos de lundi et de lundi dernier, j'ai été hyper malade pendant ces derniers jours et je le suis encore un tout petit peu, et du coup pour ça je ne me sentais pas de faire une vidéo comme d'habitude assise devant ma fenêtre, mais une vidéo écrite que je devrais monter beaucoup et tout. Donc c'est pour ça que je vais vous faire quand même un petit room tour pour que vous ayez une petite vidéo qualitative lundi, enfin aujourd'hui même. Mais sans plus papoter, allons-y directement dans le room tour, c'est parti. Donc quand on rentre dans ma chambre, nous avons à droite un meuble qui vient de chez Ikea, qui m'a coûté 99 euros je crois, qui est donc un meuble à 4 tiroirs et en haut c'est deux petits tiroirs dans lesquels nous avons nos sous-vêtements, nos chaussettes, tout le blabla. Le dernier tiroir aussi est un bois puisque dedans il y a mes habits de soirée et mes pyjamas, portez pas attention à cette petite bête. Et tous les autres tiroirs en fait c'est les habits de mon chéri parce que parce qu'il a énormément d'habits, il a plus d'habits que moi en fait. Et c'est insupportable. En déco sur ce meuble, j'ai posé mon chapeau d'été que je n'ose poser nulle part d'autre puisque j'ai peur que sinon les bords se cassent. Et je trouve qu'il fait une super belle déco, surtout en combinaison avec la casquette préférée de mon chéri. Ça donne un peu notre déco de couple de cette armoire. C'était pas du tout voulu au début, mais en fait je trouve que ça donne hyper bien. Derrière ça, une petite plante qui est en train de rendre l'âme parce que je l'ai beaucoup trop arrosée. Et à côté, c'est une petite peluche avec dedans, dans la peluche, un espèce de ventre bouillotte qu'on peut mettre au four ou au micro-ondes pour que ça chauffe, que une amie m'avait offert pour mon anniversaire et que je trouve juste adorable et incroyablement douce. De l'autre côté de la porte, on trouve du coup mon espace habit à moi avec ma penderie, enfin mon truc pour habits que vous avez beaucoup aimé sur Instagram et pour lequel beaucoup d'entre vous me demandent où je l'ai eu, mais en fait vous allez voir, c'est super simple, c'est juste un tuyau que j'ai acheté en magasin de bricolage et en fait juste une petite corde où j'ai fait, que j'ai passé à travers le tuyau, j'ai fait un nœud de chaque côté et en haut c'est des petits crochets, je sais pas si vous allez voir. Des petits crochets et du coup bah, j'ai fixé avec des nœuds aussi et j'ai laissé pendre les fils. En fait c'est pas du tout très très beau, c'est même pas vraiment fini en fait. Mais bon ça fait un petit effet rustique. Les cintres quant à eux, je les ai achetés dans un petit magasin de déco allemand, genre c'est rien d'incroyable. Mais c'était un pack de 30 et je les trouve hyper beaux, surtout avec le petit détail doré. Et comme ils sont en matière velours, et bien en fait les habits ils glissent pas des cintres, ce qui est très très pratique quand on a une penderie ouverte comme la mienne. Et puis bon, le fait que j'aime bien trier mes habits par couleur, vous le savez depuis quelques temps que je suis un peu une maniaque. En dessous se situe recoucou mais trois paires de chaussures du moment et qui vont du coup avec toutes les tenues que je peux faire avec ces habits, comme je vous l'ai expliqué déjà dans plein d'autres vidéos, je ne vais pas vous réexpliquer ça ici. À côté, nous avons ce magnifique miroir où nous allons voir ma magnifique personne. Il s'agit d'un cadre ancien de chez ma grand-mère qui est vraiment hyper hyper ancien, qui est d'ailleurs en train de se casser un peu de partout. Et on a posé à l'intérieur en fait deux miroirs. On va voir ici, en fait, il y a ces deux miroirs différents. De base, j'en voulais un grand, mais c'est hyper cher et du coup, on est juste allé acheter deux miroirs en magasin de bricolage qui avaient approximativement la taille. D'ailleurs, on a triché un peu. Le miroir y dépasse. Voilà, mais personne ne le voit, tout le monde pense que ça rentre. Sur le sol devant ce magnifique miroir, nous avons posé un magnifique petit tapis qui vient de chez Maison du Monde, je pense. Je l'avais acheté pendant les soldes l'année dernière pour 20 euros au lieu de 40 euros.
Et je trouve qu'il est hyper bon. Il coûtait 20 euros parce qu'il a une énorme tache là qui part pas. Mais bon, comme de toute façon, elle est en dessous du lit. On s'en fiche. Pour le lit, on s'est pas trop cassé le cul pour l'instant. On a juste un sommier posé par terre et le matelas posé par-dessus, du coup, avec toutes les couvertures et tout le blabla. Et moi, personnellement, j'aimerais peut-être le surélever encore un peu, c'est-à-dire me construire un petit lit. Mais au final, on va peut-être le laisser comme ça parce que je trouve que ça donne un effet très joli avec le lit juste posé par terre et la fenêtre avec les longs rideaux qui tombent. Je trouve que ça donne un effet pas trop moche. Donc, maybe we are going to let it like that. But we never know. Derrière le lit, en dessous des rideaux, nous avons du coup tous nos trucs de câbles, de téléphone, d'ordinateur, de chargeur, de tout ce qu'on veut. Très bien caché. À côté du lit, on a cette petite boîte en bois qui nous sert pour l'instant de table de chevet puisque j'en ai pas encore trouvé une qui me correspond vraiment. Donc pour l'instant, ça fait d'office de table de nuit avec dessus toute la merde que moi j'ai besoin pour dormir. Donc pour l'instant, il y a mes mouchoirs et mon labello et mon masque pour dormir. Et dessus, nous avons une petite plante, du coup, avec dessus une guirlande qui est ma lampe de chevet improvisée puisque pour l'instant, non, je n'ai pas de lampe de chevet. Du coup, cette petite plante guirlande m'aide beaucoup à avoir un peu de lumière le soir. Sur notre lit, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à part le nécessaire de couverture et de coussins. Moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment 36 000 fois plus de coussins de toutes les couleurs et peut-être, genre, acheter d'autres trucs de lit parce que ceux-là, ils sont pas très beaux. Mais bon, pour l'instant, ça fait l'affaire et ça va avec les rideaux. Donc, pour l'instant, je ne me plains pas trop. Mais j'aimerais bien avoir une déco de lit comme je vous avais déjà montré dans ma vidéo wishlist. Genre des coussins et des couvertures qui vont ensemble et oui, enfin bref, pour l'instant c'est pas nécessaire. Quant aux rideaux, eux on les a achetés aussi en magasin de bricolage vu que c'est des rideaux d'un tissu assez épais. Il nous fallait quelque chose qui laisse pas trop passer la lumière puisque comme on rentre parfois très tard le soir du travail, eh bien on dort une partie de la journée donc on a besoin que cette chambre ne soit pas trop éclairée. Donc ils viennent de magasins de bricolage, ils ont coûté je crois chacun 20 euros, un truc comme ça. Et sont accrochés du coup avec une barre noire qui est censée rappeler la barre des habits. Voilà, petit rappel de couleur. À côté de notre lit, nous avons le lit du rapace de la bête sauvage. Bon, elle dort jamais dedans pour l'instant, elle dort toujours dans notre lit à nous, mais comme elle est encore petite, on la laisse. Mais bon, dans quelques semaines, on va commencer à changer ça puisque c'est insupportable. À chaque fois qu'on s'endort, elle se met genre entre nous, genre elle omnibule toute la place dans le lit alors qu'elle fait 20 cm. À côté de ma chambre, nous avons le bureau qui est pas du tout, mais alors pas du tout terminé. Donc pour l'instant, c'est un peu plus un fourre-tout qu'un vrai bureau. Mais le fait qu'il n'y ait pas de porte entre les deux pièces et qu'on ait aussi refait le sol pour que ça soit un seul sol dans les mêmes pièces, ça agrandit en fait les deux pièces qui sont des toutes petites pièces. Ça fait beaucoup de fois le mot pièce. Voilà, nous avons donc fini avec ce tout petit room tour. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si vous êtes en train de refaire votre déco ou que vous allez bientôt déménager ou je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo.